mis amigos, ¿qué tal? Espero que todo anda bien para ustedes. Ya, el hombre que están mirando ahí es el señor Narcís, su profesor de español. Hoy vamos a hablar sobre un punto muy interesante. El punto que vamos a ver ahí es el pretérito indefinido. Pretérito indefinido es un tiempo que todos los nativos usan a menudo cuando quieren decir una cosa que basa sobre el pasado. ¿Comprenden? Alors nous disons bonjour à tous les amis qui nous suivent là et je dis à nous parler sur un temps qui est pretérito indefinido. Pretérito indefinido, c'est un temps passé ou bien c'est un temps qui a à voir avec le passé. Alors tout ça, ou bien pour dire qui a à voir avec le passé, souvent c'est temps ça même qui est utilisé. Alors nous disons tout natif qui utilise pretérito indefinido comme tout l'autre passé. Alors excepté et journalistes, en parlant des périodistes, mais les gens utilisent la concordance des temps normal, sans problème. Maintenant, là, oui, hein, ou bien espagnol, là, oui, hein, ou bien tout le monde utilise un seul passé pour tout passé qui parle de pretérito indefinido. Comprenez? Comment se conjuguent les verbes espagnols al pretérito indefinido? Comment conjuguer les verbes espagnols en pretérito indefinido? Pretérito indéfinido, c'est tant ça nous est le passé simple. D'accord? En français, c'est le passé simple. Ah, pretérito definido et indéfinido. Bueno, lo que estamos hablando ahí es el indéfinido. No es definido. Comprende? Bien. Los verbos españoles se dividen en tres grupos. El primer grupo son los verbos en AR. El segundo grupo son los verbos en ER. El tercer grupo son los verbos en IR. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se forma el pretérito indefinido de los verbos en AR. De otro modo dicho, cómo se termina los verbos en AR en pretérito indefinido. Bien, para los verbos en AR, el pretérito indefinido se forma así. E, haste, o, amos, hasteis, arón. Para los verbos en AR, el pretérito indefinido se termina en E, haste, o, amos, hasteis, arón. ¿Ok? Como ejemplo, tenemos el verbo hablar. Hablar significa parler. Es un verbo regular. El verbo hablar es un verbo regular. Es por eso que bota la terminación AR. Ahora tenemos habla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Se dice hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. El verbo hablar es un verbo regular. Se suprime la terminación AR y ahora quedamos con el radical habla. ¿Ok? El radical más la formación de este tiempo, ahora tenemos hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. En la tercera persona del singular, si no pongas el acento escrito sobre esta vocal O, no es una tercera persona del singular del pretérito indefinido, es la primera persona del singular al presente de indicativo. ¿Comprenden? Es este acento que trae la diferencia. ¿Me comprenden? ¿Ok? Lemme ver la. Nos dice, gracias a accent ça, qui fait bague première personne du singulier du présent de l'indicatif. Parce que, voilà, lemme dit hablo. Ouais, hablo. Si m'pa pote accent écrit ça là, sous OA, ni pas pour une troisième personne du singulier au passé simple ou bien à le pretérito indefinido, ouais, mais la pour une première personne du singulier du présent de l'indicatif. OK, c'est ça que fait nous bien faire attention pour verbe en aéreo de pour arriver dans troisième personne du singulier faut nous porter accent. Si ne pas porter accent, ni pas troisième personne du singulier encore, la une première personne du singulier. Mais temps pas passé simple, temps à présent de l'indicatif.
Ok. Ya, tienen que hacer mucha atención. Porque si se olvida de traer, o de escribir, o de poner este acento sobre la O, no es una tercera del singular del pretérito que tiene. Es una primera persona del singular del presente de indicativo que tiene. Ok. Bien. Model ça, li va là pour tout verbe en aer. Ok. Nous dit modèle ça, il va là pour tout verbe en aer parce que c'est comme ça yo formé verbe en aer yo au passé simple. Oui, verbe en aer c'est comme ça au terminé à le pretérito indefinido. Ou bien en tant qu'il est le pretérito indefinido en espagnol là, c'est comme ça verbe en aer yo terminé. Et bien nous dit modèle ça n'a pas suivi pour n'importe l'autre verbe. Si, par exemple, si nous avons le verbe cantar, n'a dit canté, cantaste, canto, cantamos, cantasteis, cantaron. Ouais. Si on prend le verbe llevar, on dit llevé, llevaste, llevó, llevamos, llevasteis, llevaron. Si on prend le verbe amar, on dit amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron. Cualquier verbo en aer que se toma ahí se puede conjugar como este. ¿Comprenden? Bien, para los verbos en er. Para los verbos en er es i, iste, io, imos, isteis, ieron. Pour les verbes en er, qui c'est verbe deuxième groupe, nous disons i, iste, io, imos, isteis, ieron. C'est les verbes du deuxième groupe. Ok? Si on prend le verbe comprender, comprender est un verbo en er qui est assez parti del segundo grupo. Es un verbo regular también. Ahí se bota o se suprime o se borra la terminación er. Y ahora qué quedó? Me quedo comprende, ¿eh? Comprende. Okay. Y ahora me quedo comprende y suprimo esta terminación. Comprende más la formación del pretérito. Es comprendí, comprendiste, comprendió, comprendimos, comprendisteis, comprendieron. ¿Ok? Comprendí, comprendiste, comprendió, comprendimos, comprendisteis, comprendieron. Es la formación de los verbos en er o de los verbos que hacen parte del segundo grupo. ¿Ok? Para los verbos en er. Para los verbos en IR, es la misma terminación. I, iste, io, imus, isteis, ieron. Para los verbos en IR, es I, iste, io, imus, isteis, ieron. La misma formación que los verbos en ER. Ok. Por ejemplo, el verbo vivir. Vivir. Es un verbo regular. Ya que es un verbo regular, el trabajo es muy simple, ¿no es verdad? Vamos a volar la terminación IR. Y ahora me quedo vive. ¿Ok? Más la formación del pretérito, que es I, iste, io, imos, isteis. ¿Vieron? Ahora, ¿qué vamos a decir ahí? Ahora vamos a decir viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. ¿Ok? Los verbos en IR o los verbos del tercer grupo. Los verbos que hacen parte del tercer grupo se conjugan así al pretérito indefinido. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Si se toma un verbo como suprimir, se dice suprimí, suprimiste, suprimió, suprimimos, suprimisteis, suprimieron. Ya, ¿cuándo se puede usar este tiempo? Se puede usar este tiempo cuando se quiere hablar sobre algo que se basa sobre el pasado. Ya, ¿cuáles son las expresiones que pueden permitirles a ustedes de usar este
tiempo. Por ejemplo, tenemos anoche. Anoche significa ayer soir. Sí, anoche es una expresión que puede permitirme a conjugar mi verbo en el pasado o que puede ayudarme a conjugar mi verbo en este tiempo. Ok, por ejemplo, se dice, sí, esa noche que llegó. Claro, esa noche que llegó. Esa noche que llegó. Dice, hier soir, il était arrivé. C'est hier soir, il était venu. Cuando se ve una expresión como ayer, ayer por la mañana, ayer por la tarde, anteayer, la semana pasada, el año pasado. Ok. Cada vez que veo estas siguientes expresiones al hablar, anteayer, ayer, ayer por la tarde, ayer por la noche, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, todas las siguientes expresiones pueden ayudarme a emplear, a utilizar o a usar o a conjugar mi verbo en este tiempo, el tiempo que es pretérito indefinido. ¿Comprenden? Alors, nous dit, ¿qué genre de expresión con ça qui capable permettre moi conjuguer verbe moyen dans temps annulé pretérito indefinido? Mais expression je me pral ouais qui permettre moi conjuguer verbe moyen dans temps ça, li pas l'autre que ça yo. Anoche, ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, ahora estoy en obligación para usar el pretérito indefinido. ¿Ok? Porque estas siguientes expresiones me ponen en obligación para utilizar pretérito indefinido. No hay problema si se usa un tiempo como imperfecto. No hay problema. Pero el tiempo más apropiado a usar ahí no es otro que pretérito indefinido. Como les dije ahorita, los nativos usan a menudo pretérito indefinido cada vez que quieren decir una cosa que se basa sobre el pasado. ¿Se ve? Bien, pienso que todo el mundo puede comprender lo que vine a hacer ahí. Porque es simple, nada es complicado en lo que vine a hacer ahí o en lo que vine a explicarles a ustedes ahí. ¿Me comprenden? Ya, no pensé que todo el mundo capable de sortir edifié ou bien comprendre, ça ne se fera parce que pas rien qui est compliqué la donne. Tout le monde paraît clair dans le coq devant genou. Nous dit, pour me conjuguer verbe moyen à le prétérito indéfinido, ça ne veut pas passer plan. Il y a quelques expressions cap non sambral dien, mais cap getan metem dans l'obligation pour me conjuguer ou bien pour me mettre verbe moyen à le prétérito indéfinido. Mais nous dit, expression ça, c'est dans coup, anoche, ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, todo eso. Ouais, tout ça, yo permet que moi utilise verbe moyen dans temps yo le pretérito indefinido. Non dit pas qu'il y a ce problème tout. Sou ta utilise yon l'autre pas, c'est un coup l'imparfait. Hein? Pas que toi problème tout, sou ta utilise yon temps tant coup pretérito definido, nous get pour nous get en parler sous temps ça yo. Mais pour qui ça vient avec temps ça, qui c'est pretérito indefinido. Nous venons avec pretérito indefinido, c'est pour montrer que et c'est pour faire que tout natif espagnol yo alors ni pour anglais tout. Alors tout natif yo même yo gon passé yo utilisé le plus souvent. Entre parenthèses, on t'a dit yo utilisé yo passé pour tout l'autre passé yo. Vous comprenez? Eh bien espagnol yo même passé qui plus facile là, c'est prétérito indéfinido. Ou après, l'on parle à un natif, tout ça le doux. Même gens ou qui parle avec un haïtien. Et vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ou clair? Ça va? Eh bien, si c'est un espagnol, qui ça le dit? Il a dit, oh, il ouais? Il blablabla, blablabla. Oh, il s'est. Comprenez, il s'est. Ouais? Comprenez, il s'est. Ouais? Oh, il s'est. Ouais? Qui ça le ouais? Chaque fois, il dit, oh, il s'est. Chaque fois, il dit, comprenez, il s'est. Il est en prétérito indéfinido. Mais qui passe le temps de l'utiliser exactement?
C'est pas prétérito indéfini d'où t'as dû utiliser. C'est prétérito défini d'où t'as dû utiliser. Mais puisque dans l'habitude, dans le mode de fonctionnement, c'est prétérito indéfini d'où qui plus courant, eh bien, ou après, il n'y a pas besoin de prétérito défini d'où pour t'as utiliser dans la place prétérito indéfini d'où. Ou après, c'est prétérito indéfini d'où c'est l'a utilisé. Et il sent le pied à l'aise. Et verbe yo vin nan bouche li plus facile n'entend ça tout. Par exemple pour prétérito definido il t'a dit mais as comprendido hein mais as comprendido mais as oído et ça t'a dit ou comprendre moi ou t'endem mais toi bagaille c'est espagnol là oui en même hein natira va parler petit pour l'abdo comprendre c'est l'abdo comprendre dit hein il dit oité tout ça lui dit oité hein oité ouais ou comprendre ou t'endem hein oité et ça l'abdo comprendre dit. Oïte, mais qui ça l'abdou? C'est comprendiste, c'est oïste. Et ça l'abdou. Bien, nous disons que nous souhaitons que tout le monde soit édifié sur notre ça. Ouais, qu'on y a au pral qu'on est. Certainement, je dis à ou qu'on est, pour qui raison les natifs la paille l'abdou comprendiste, oïste. Ouais, je dis à ou comprendre pour qui raison. Parce que les plus à l'aise pour utiliser passé ça, mais normalement, l'État doit utiliser prétérito. Definido. Ay pretérito definido tendre le passé composé a. Ay pretérito indefinido tendre le passé simple. Mais natif yo utilise pretérito indefinido a de préférence dans place tout l'autre passé. Alors nous dit accepter que pour monsieur qui a fait journal par les journalistes yo même yo utilise concordance en normal sans problème. OK? Bien. Alors on a demandé avec tous amis nous qui a suivi vidéo ça. Pas négliger like page noire et pas négliger partager le tout et abonner parce que vous connaissez l'offre ça nous dit là yo il a permet toujours plus vidéo et chaque belle vidéo nous lague rapide la monter sur portable et laisse ça vous regarder pour qui ça qui tombe. OK, et pas un problème si vous avez quelques suggestions on peut toujours faire on peut toujours dire ça que nous pensons sous cou nous qui j'en ouais ça. OK, pas un problème. Ya, era na si so que estaba con ustedes.